Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Le troisième podcast de ces journées, les enfants, c'était pour se rendre un hommage vibrant, un hommage fort à quelqu'un avec qui je ne partage pratiquement rien du tout. C'est un hommage que nous allons rendre à quelqu'un avec qui on ne partage rien du tout, mais vraiment rien, mais dont la carrière est une inspiration pour la clinique. Je vous ai dit, on ne construit pas un peuple sans des repères, qu'on se fixe nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est un être humain, au jour d'aujourd'hui, M. Yannick Noah a vu qu'il s'agit de lui, avec qui je ne partage rien. Pour moi, c'est les petites mains de la dictature. C'est-à-dire, pour ce que le pays que nous partageons en commun, je trouve personnellement qu'il pourra très bien trouver son fauteuil bien installé dans le fauteuil de l'histoire comme étant un complice actif par un silence complice et une implication de sa personne pour maintenir le statu quo et bloquer le pays vers le sous-développement. Il aurait pu être plus que ça. La grandeur n'a pas atteint ce niveau-là. Mais la carrière dans un autre monde est une pure inspiration pour la clinique, les enfants. Ce bonhomme a été champion de Roland-Garros. Les gens, ils ne gagnaient pas. Il est resté l'unique champion de la France, son pays d'adoption. Et ça, c'était déjà une inspiration. Et quand il a décidé de faire de la musique, il a fait avec beaucoup de force. Quoi que vous fassiez dans la vie, les enfants, faites-le avec détermination. Apprenez-le. Quand il est parti de champion de tennis à faire de la musique, il chantait comme un pied. C'était moche, c'était nul. Il a appris. Nous devons apprendre. Ce que nous ne connaissons pas, nous devons apprendre. Si nous ne connaissons pas la mobilisation, si nous ne connaissons pas la force, si nous n'avons pas l'énergie, nous devons apprendre, nous devons être formés. C'est à ça que ça sert une influence. Quand vous regardez quelqu'un, vous voyez ce que c'est la détermination. Il n'y a pas une grande différence entre ce parcours-là et un peu le parcours de Ngannou, la dangerosité enlevée des enfants. Il y a des gens, parfois, ils parlent de dire, non, c'est pas notre camarade. À un certain niveau, c'est pas notre camarade. Et on doit pouvoir le voir. C'est le parcours des mecs comme Samuel Eto'o, dont la carrière des gens avec qui tu ne partages rien du tout en tant qu'homme, sur les décisions directes de la vie des autres, mais dont la carrière est une inspiration qui peut faire grandir votre communauté. Vous ne pouvez pas jeter le bébé et l'eau du bain et tout ce que les gens disent souvent. Et je voulais m'attarder sur Yannick Noah aujourd'hui, parce qu'il a appris les enfants et il est devenu un grand chanteur. Il a tellement bien roulé, il s'est tellement bien assimilé à la société française, il a tellement appris à être français, il est devenu tellement français à un point où il est même devenu la personnalité préférée des Français. Oui, parce que je crois que c'est un trophée qu'on donne aux gens qui ne sont peut-être pas très français, mais qui sont devenus tellement français que le français lui-même s'est couché à terre. Il a fait oh, « oh, oh, oh. Mais moi, je ne pouvais pas devenir français, la qualité, c'est des performances. Hein. Ce sont des performances, les enfants. Et vous devez apprendre ces petites choses qui définissent l'être humain, qui le pousse à aller chercher au fond de lui ses compétences. Quand je vous dis que la force est à l'intérieur de vous, il faut juste avoir la capacité d'aller la chercher. On montre trop les gens qui sont devenus quelqu'un grâce à quelqu'un, à cause de quelqu'un, derrière quelqu'un, et on limite. Et on limite. Et ça, je tiens à ce que la clinique prenne toujours le temps pour expliquer aux gens que la force est à l'intérieur. Que la force est à l'intérieur. Il allait apprendre à chanter, il a chanté, jusqu'à être devenu top. Il devait devenir français. Il est devenu tellement français que même les Français ont donné le tchakap. Il est devenu tellement français que les Français, même ils ont donné le tchakap. Le tchakap, ils lui ont donné. Personnalité préférée des Français. Il est devenu le capitaine de l'équipe de France de tennis. Avec les gars, mon fils, tout ça, c'est lui qui les a fabriqués, tout ça. Il est là derrière. Donc, il est encore allé plus loin, les enfants. Seul le ciel est la limite. Seul le ciel est la limite. Exactement comme Ngannou. Exactement comme Samuel Eto'o. Seul le ciel est la limite. Seul le ciel est la limite. La capacité
à aller chercher à l'intérieur de soi la force qui habite déjà dedans, mais la famine, le Congossa, le commérage, le rampampam, le misocie, le karambani font que vous n'avez pas le temps d'aller chercher la force là, la source là à l'intérieur. Trop obligé, occupé à combattre, trop obligé à jalouser, trop obligé à haïr, trop obligé à chercher les raisons à la réussite des autres. Trop occupé à chercher des raisons à la réussite des autres. Vous n'avez pas le temps de plonger à l'intérieur de vous-même pour aller chercher au fond de vous la richesse qui réside là-bas depuis des siècles. Il y en a qui meurent même, ils ne touchent même pas la moitié de la richesse du filon d'or qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Non, le gars, il est encore devenu capitaine de l'équipe de France de tennis. Un tété encore. Même Macron a dit le tchakap. Même le président des Français, tous les présidents français lui ont dit le tchakap. Tous les présidents français, Ngab, Mitterrand, Sarkozy, tous les présidents, il les a tous croisés. Oui. Parce qu'il est devenu plus tellement français que même les Français ont donné le tchakap. Sois le meilleur de ce que tu es. Martin Luther King, balaye la route. Si tu dois balayer la route, balaye la tellement bien que même quand les gens vont venir dans 100 ans, ils disent qu'ici, il y en a qui un balayeur de route extraordinaire. Extraordinaire. Il est devenu le patron de ça. Et aujourd'hui, ce qui m'a poussé à faire cette capsule d'influence, d'impact positif, l'impact positif que chacun d'entre nous a. Tu peux choisir de prendre le côté positif ou tu peux choisir de prendre le côté négatif, mais tu as le choix. C'est qu'à la fin, j'ai encore vu qu'il est devenu le capitaine de l'équipe de France masculine de tennis fauteuil. C'est-à-dire que le gars est toujours dans le tchakap. C'est lui le patron de tout le tennis. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait plaisir. Et vous me connaissez. Quand quelque chose a un parfum de succès, quand quelque chose ressemble au bonheur, quand quelque chose est beau, quand quelque chose est clean, je dois vous donner. La clinique est amoureuse de la beauté. La clinique adore le succès. La clinique adore ce qui monte, ce qui brille. La clinique aime le shining. Et on doit toujours être là, à chaque fois, pour faire briller ce qui doit briller. Vous savez ce qui est important quand même avec la clinique, et ce qui nous rend particulier, c'est qu'on voit, il y a beaucoup de choses qui nous intéressent dans ces gens. Mais le bug, c'est qu'on se demande toujours comment ils peuvent réussir à être des hommes qui atteignent ce certain niveau. Mais quand ils arrivent au niveau du Cameroun, ils se transforment en des petites mains de la dictature ou en des complices de la dictature ou alors en des neutres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tous ces gens deviennent grands par rapport à leur implication dans la société. Vous avez entendu que Joël Embiid, il y avait eu un ouragan. Le gars donnait combien de milliards, des millions de dollars pour les familles endeuillées. Parce que l'ouragan avait cassé. Il s'implique dans la société. Il y a un gars comme Yannick Noah, il a au moins 50... Il a au moins 30 associations qu'il parraine en France, dans le social. Dans le social. Il est là. Il fait les soirées caritatives. Les gars s'impliquent dans la société. Et quand un dirigeant politique dérange, il dose. Yannick Noah avait dit que si Sarkozy passe, je me casse. Donc il peut combattre Sarkozy, mais pas Bomba. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est ça qu'on dit que le sous-développement, vous pouvez même avoir des hommes de compétence, des hommes de qualité, des hommes d'influence, mais ils ne sont pas au service du pays. Mais ils ne sont pas au service du pays. Même quand ils sont au service du pays, c'est à un niveau tellement inefficace. C'est au niveau qui plaît à la dictature. Ils ne sont jamais vraiment, vraiment au service du pays. Ils sont au service du pays à un niveau qui plaît à la dictature. En fait, ils sont au service. Ils sont au service de la dictature. Ouais, quand quelqu'un vient, il ouvre un petit dojo, comme Gano est venu là, il a ouvert un club de MMA et tout. C'est juste pour rendre la dictature plus respirable. Mais ça aide seulement le statu quo, mais ça ne fait rien bouger. Ça ne fait rien changer, ça parle rien de global. C'est comme quelqu'un qui se lève et dit, oh non, on a ouvert un petit club de tennis. C'est pour embellir la dictature. C'est pour embellir la face hideuse de la dictature. C'est pour ça qu'on les utilise. Pour embellir le côté hideux de cette logique-là, les enfants. Et je vous montre toujours tous ces deux parallèles parce qu'on est à la clinique. Ici, on soigne l'esprit de manière fondamentale. Et aujourd'hui, nous voulons rendre hommage à quelqu'un avec qui
on ne partage rien du tout, mais dont la carrière inspire la clinique. Love you, my people. C'était papa.